Est-ce que tu as déjà prévu tes vacances pour cet été? Oui. Tu vas aller où? Dans le Maine. Peut-être Old Orchard. J'ai envie de dire probablement la côte est. Là, il y a quand même un renouveau vers Myrtle Beach, Virginia Beach. C'est vraiment plus des voyages de type exploration. Donc, on va pas aller dans le sud, on va aller aux États-Unis. We get a lot from the Sherbrooke Magog area. That might be the largest segment. Durant les vacances de construction, entre 75% et 80% maintenant. Il y a des gens qui sont d'ici, de l'Estrie. Les gens sont sympathiques. Il y a de tout pour plaire à tout le monde. T'sais, des terrains de golf, des mini-pots, il y a des centres d'achat. Old Orchard has a kind of a spirit that you might not find in some of the other beach locations. Ici à Virginia Beach, c'est la première plage avec l'eau plus chaude qu'on a. C'est possible de voyager en une journée de Montréal. Les gens veulent des voyages d'exploration, mais ils veulent aussi de la plage. Et peut-être parce qu'au Québec, on n'est pas chanceux, on n'a pas vraiment de plage, donc on cherche peut-être à combler ce petit manque. We're expecting a record number of Canadians this year. The demand has been high. People are continuing to sort of restore their relationship with the United States and Old Orchard Beach. So I expect that trend to continue. La voiture est toujours le moyen de transport le plus populaire auprès des voyageurs, ce qui explique entre autres l'engouement des Estriens pour les plages de la côte Est qui ne sont pas trop loin. Annick Berger, TVA Nouvelles, Sherbrooke.